Il y avait de la semence humaine qui avait été sélectionnée dans des officines et s'est mise de côté avec que les caractéristiques du père. Homme grand, avec poteau du visage, pas de tare, etc. Bon. Intellectuel, puissant, enfin, il y avait l'homme idéal dans les piches. Alors les femmes qui voulaient se faire engrosser sans avoir un bonhomme qui les emmerde, elles voulaient avoir un empan, alors elles s'adressaient là. Bon, 20 ans après, on a eu les résultats, il y avait autant d'idiots que de l'autre côté. Et des types sélectionnés. Tout ça, ça ne veut rien dire. Je rejette pas tout à poubelle, mais il y a beaucoup à dire et à oublier.